Ce qui est très grave sur l'euro actuellement, c'est que la France émet donc des obligations du Trésor à 10 ans, c'est-à-dire se porte sur les marchés financiers pour financer son déficit. Et tous les pays font pareil. Sauf que la France, maintenant, est en passe de devenir le pays le plus endetté. Nous allons franchir aussi, si ça n'est pas déjà fait, les 3 000 milliards d'euros d'endettement extérieur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers n'ont pas très envie d'acheter des obligations du Trésor français ou du Trésor italien. Ils préfèrent acheter des obligations du Trésor allemand. Donc les marchés financiers demandent le taux d'intérêt sur les obligations françaises à 10 ans supérieur au taux d'intérêt sur les obligations allemandes à 10 ans. Alors si vous réfléchissez bien, financier, si tout le monde était absolument convaincu de la solidité définitive de l'euro, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence de taux d'intérêt. Donc si les marchés financiers demandent des rémunérations différentes, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'à long terme, l'euro continuera d'exister.